Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour finir Mario 64. Donc, on va faire le niveau 15, mais juste avant, on va quand même faire l'étoile secrète du niveau 15 qui est ici. Hop, on va rentrer là-dedans. Attendez, j'aimerais déjà pouvoir rentrer, vous voyez. C'est bon. Alors, c'est les pièces rouges. Il va falloir utiliser la casquette ailée. Pour aller d'arc-en-ciel en arc-en-ciel et récupérer des pièces rouges. Donc écoutez, voilà, je suis ravie. Ensuite, on va aller dans le niveau. On va aller. Du coup, en fait, c'est en face. Pour ça, il faudrait déjà savoir rentrer dans le niveau.
qui est donc le dernier niveau du jeu, qui est donc le niveau arc-en-ciel, comme vous avez pu le voir. Qui est croisière sur l'arc-en-ciel, donc ça je... je me rappelle de ce niveau, en même temps je l'ai trouvé bien et en même temps je l'ai trouvé très buggé, donc pas si bien que ça. On verra. On verra bien. Ok, je me rappelle maintenant. C'est bon, je me rappelle. Donc, le tapis s'en va à un bout d'un moment si vous restez pas assez longtemps dessus. Je vais oublier. Bon, allez, on est reparti, c'est pas grave. C'est bon, mais des fois ça passe pas. Faut pas croire que ça passe tout de suite. Des fois ça passe pas. Allez. Bah. Ok. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est censé faire, mais des fois ça fonctionne de ne pas de rester sur le tapis en fait, tout simplement. Mais bon. Allez, on est parti. Faut aller par là. C'est un peu chiant, la quiétude n'arrête pas de nous suivre. Bon, je me rappelle plus vraiment bien de ce qui se passe. La caméra a encore bugué. Oh, j'ai tué la qui tue. Incroyable ça. Bon. Ah, j'avais oublié qu'il y avait ce truc. Bon, c'est compliqué, hein. Bon, j'espère que c'était là. Ça a l'air, en tout cas. Est-ce que c'était celle-là? La caméra, elle a failli me lâcher au bout du niveau, quoi. Mais ça a l'air de celle-là. Oui, c'est bien celle-là. Nickel. Bon, première étoile du niveau. Ensuite, manoir dans les airs. Oh, je crois... Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est laquelle. Mais j'ai bien souvenir que cette partie-là était extrêmement buggé dans le jeu, donc je suis ravie. En fait, il y a tellement de routes différentes que je sais pas vraiment laquelle est... Oh non ! Hop, vite. Laquelle est la bonne ? Je crois qu'il faut retourner par là, hein. Donc on va remonter.
Et je crois qu'il va falloir prendre le tapis à droite. Voilà, je crois qu'il faut prendre lui. Oh oh! Non, s'il réapparaît. J'étais pas certaine qu'il réapparaissait. Bon bah tant pis. Fou, j'ai réussi à aller sur le tapis. Je suis contente. Bon. Je crois que c'est ça le manoir. Enfin, ça m'étonnerait pas en tout cas. Je vois pas de manoir ailleurs. Je pense que c'est ce truc. Mais ce truc est bien buggé en tout cas. C'est bien buggé. Donc on va essayer. C'est tout ce que je peux dire. Qu'on va essayer. Vous voyez, mon Mario, des fois il est un peu. Et vous voyez là par contre, le feu il m'a pas touché. Alors que il m'a clairement touché. Mais non. Mais ah, ça m'énerve ce jeu. Mais comment ça, Mario là, il s'est pris quelque chose dans la tête. Il est sérieux? Franchement, c'est Mario, c'est un abruti. Je suis contente de plus le voir. Bon, on va voir comment ça se passe. Ah, je ne peux pas choisir la caméra. Et ça, c'est plutôt incroyable aussi. Je ne sais pas où je vais. Oh, incroyable! Ça y est, on l'a! Je sais pas c'est quelle étoile. J'espère que c'est celle-là. Mais enfin, de toute façon, elle était compliquée, donc voilà. Oui, c'est bien celui-là, manoir dans les airs. On est parti pour la troisième étoile du niveau. Je sais pas c'est laquelle. Labyrinthe des pièces rouges. Ok, je vois. Donc, pour le labyrinthe de pièces rouges, il faut aller... Oups. De ce côté. Et on va descendre cette barre. Et puis on va voir un peu. À partir de ce moment-là, je sais plus trop. Ok. Oh, mince. Ça, c'est bête. Mais bon, ça va. Ici, on ne meurt pas. Il suffit de reprendre la barre pour remonter. Donc ça, c'est assez chouette. Pff, à cause de ce stupide masque-casse, là. Ça m'énerve.
Ok, c'est bon, on va passer cette plateforme là. C'est bon. Tout va bien. On va juste le tuer pour être sûr. Alors, je ne sais pas de quel côté c'est. On va aller par là, puis on verra bien. Bah, y a une étoile, mais c'est pas les pièces rouges, donc écoutez, on va quand même la faire. Ah, les pièces rouges sont par là, ok, c'est en face, alors fallait que j'aille. J'étais pas... Ok. Nickel! On a une autre étoile. Qui est l'étoile balançoire céleste. Donc celle-là, elle est plutôt facile quand même. On va aller faire les pièces rouges, là. Qui était aussi une... Qui était plutôt facile, il me semble. Donc labyrinthe de pièces rouges. Donc ici, on va ni aller à gauche, ni à droite. On va aller... Tout droit. Oups. Comment est-ce qu'on est censé monter d'abord? Ok. Ok. Bon. Bon, bah on a déjà une, c'est déjà ça. Quatrième étoile. Bon, c'est un peu des sauts. Absolument pas. Je pense pas qu'il faut les faire comme ça. Mais bon. Écoutez, tant que ça marche, ça marche. On a 6 pièces étoiles, enfin 6 pièces rouges, je veux dire. Et on sait où sont les deux autres, donc le tout c'est juste de les avoir. On va dire ça comme ça. Ok, j'en ai eu une autre. Et puis la troisième, ok, elle est là-bas. Ben voilà, la huitième, je veux dire. Bon, bah ben c'est bon, on a la huitième. Donc ça va, c'est pas hyper compliqué, je trouve, cette étoile-là. En vrai, si vous faites le saut où on a accroupi, donc vous appuyez sur ZR, vous appuyez sur B, ben c'est bon. Oh non, non, neuvième étoile, c'est joli. On va faire du coup la cinquième étoile. Il nous en reste déjà plus que deux. Vicieux triangle. Ah oui, bah ça, il va falloir aller à gauche. Et c'était pas facile.
C'est vraiment pas facile. Et puis la dernière, je me rappelle vraiment plus de ce que c'est. Donc voilà, on est à gauche. On va refaire tout le petit parcours qu'on a fait tout à l'heure. En espérant que ma casse ne vienne pas nous ennuyer cette fois-ci. Ah, si, il nous suit en plus, le fourbe. Ouh, 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 ouh. Ok, d'accord. Bon. Oh, mais c'est pas vrai! Génial! Donc voilà, là on avait une étoile assez facilement. Et puis ensuite ici, faut aller par là. Voilà, on est arrivé. Et là, il va falloir monter ces triangles. Mais c'est pas le plus simple. Vous voyez, ça va hyper vite. En plus, oh, j'avais oublié qu'il nous faisait... Il nous tirait carrément du niveau, quoi. Oh, ça va vite. Ça va être compliqué. Oui, j'ai réussi. Nickel, j'ai réussi. Bon, bah ça va, j'ai fait 3 essais seulement. Et on est à la 100e pièce, 100e étoile, je dis tout le temps pièce étoile, c'est à cause des odieux Mario, je confonds tout. On est parti pour la 6e pièce qui ne m'évoque rien du tout, l'arc-en-ciel et au-delà. Ok, oui bah déjà je vais à droite parce que c'est sûr que c'est pas ailleurs. Les autres, on a déjà tout fait, donc on va aller à droite. Mais après, je sais pas si je dois aller à gauche ou à droite quand il y a le chat de tapis. Bon, je vais à gauche. Oui, j'ai pris le tapis gauche, donc le premier tapis qu'on a pris. Et on verra.
Ah, on peut s'accrocher à ce truc. Qu'est-ce que c'est ça encore? Oh, il y a un truc avec... Il y a un canon! Mais où est la bombe? Il est déjà ouvert? Oh non! Où est la bombe? Malheureusement, je crois que la bombe est du côté des pièces rouges, si je me rappelle bien. Ce qui est plutôt un gros problème. Voilà, je suis par grande chance retournée là-dessus et on va aller voir s'il n'y a pas une bombe près des pièces rouges. Il n'y en a pas une? J'espère que j'ai pas fait tout ce chemin pour rien, hein. Je serais pas très contente. Ok. Alors là, je vous dis pas, enfin, merci Internet, parce que je sais pas comment j'aurais trouvé sinon. Je me rappelais bien qu'elle était près des pièces rouges, mais je pensais pas qu'il allait falloir faire un wall jump à cet endroit-là. Bon, maintenant qu'on a trouvé cette bête meuf, on peut y aller. Et donc on va retourner du coup sur le bateau parce qu'on a bien vu qu'il y avait un arc-en-ciel en rond et un canon. Donc je pensais que j'avais utilisé le dernier canon de ma vie dans la dernière vidéo, mais apparemment non. Donc je suis déçue. Je pensais pas, franchement je pensais pas que c'était là. J'avais une idée d'un endroit, mais en fait... C'est un endroit qui conduisait au manoir et en fait le tapis m'avait lâché au manoir. Et du coup il y avait un bloc et je pensais qu'il y avait l'étoile là-dedans. Mais à mon avis non, j'avais juste eu une vie du coup. Bon, on prend à gauche et on retourne. Bon, ça va, le chemin normalement il pose pas trop de problèmes. Enfin, je croise les doigts parce qu'évidemment que j'ai dit ça. On va attraper tous les soucis du monde. Et donc du coup, on va aller ici. On va faire quelque chose. Est-ce qu'on fait confiance au truc et on prend au milieu de l'arc-en-ciel? Ou on leur fait pas confiance? Je vais leur faire confiance, mais prendre quand même là. C'est bon. Il y a juste lui là. Maintenant, j'ose pas descendre. C'est bon, il y a l'étoile. Vite, 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 on saute. C'est bon. Yes.
Parce que lui, je n'osais pas descendre avec lui. Du coup, on a toutes les pièces du niveau 15 pour vérifier. Voilà. Nickel. Et maintenant, on va aller voir Peach, hein. Ça me tue, il y a des quêtes de Bowser en face des quêtes de Peach. Bowser, qu'est-ce qu'il est moche, hein. Il est vraiment pas très beau. Allez, on est parti. Oh, ça me tue, ils ont fait une flèche. Serait-ce déjà une pièce rouge? Ok. Ok, d'accord. Parce qu'on va essayer de prendre les 8 pièces rouges en même temps, tant qu'à faire. Bon, je vois le genre qu'on a encore. Ok. J'ai l'impression de louper plein de trucs. Ah, une vie, c'est pas de refus. Évidemment, non. On n'aura pas la vie. On a la deuxième pièce rouge. Il n'y en a pas une ici, un truc comme ça. Oui, si, il y en a bien une ici. Bon, attendez. Déjà, on va faire le tour. J'aime bien, je visite son château. Il y en a donc une là. Par où est-ce qu'il faut aller? Je crois que là c'est un raccourci, donc on va prendre par là. Tout va bien. Oh non! Ça par contre c'est totalement injustifié de me faire tomber à cet endroit-là. Ok, je viens de me faire écraser. Bon, je sais pas trop comment fallait le passer, lui. Mais bon, il est passé. Tant mieux. Je sais pas comment je suis censée passer ça non plus. Oh, en plus, ça me fait recommencer à cet endroit-là. Ok, chouette. Alors là, je suis fan.
Bon, on va tuer le Goomba pour se faire de l'argent et de la vie. Un minimum, quoi. Voilà, comme ça lui il est mort et il arrêtera de nous ennuyer. Bah, on est censé monter comment? Bon, vous savez quoi? On va prendre le raccourci au final. Voilà. Puis on va retourner par là, comme ça on va vérifier. Ah! Ah mec, t'aurais pu me renvoyer sur la flèche au moins. Il est vraiment pas gentil. Oh non! Bon, au moins je sais que le raccourci est important parce que le reste ne sert à rien. C'est bon, on est passé. Alors j'espère que j'ai rien oublié. Quatrième. Oh là 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 là. Pitié. Elle va revenir à un moment, je suis sûre. Ah oui, elle revient, regardez, elle revient. C'est fou. Et voilà, on peut avancer maintenant comme il faut. Voilà. Il y en a une là. C'est la sixième. Bon. C'est un peu difficile de réfléchir. Ça va trop vite pour réfléchir. Ok. Septième. Bon, c'est bientôt fini le niveau ou pas? Parce que j'ai commencé à stresser un peu. Ah oui, je pense que c'est bientôt fini. Attendez, là. La huitième. J'en ai 7 sur 8. Non. C'est pas possible. Oh.
C'est pas vrai. 3, 4. Purée, j'en ai. Oh non! J'étais persuadée qu'elle était derrière le tuyau. Je vais retourner voir, écoutez, parce que moi... Ah, j'ai bien fait de... Voilà, je l'ai. Oui, on va sauvegarder. Et maintenant, on va finir avec le boss de fin. Bowser qui est un peu arc-en-ciel comme ça. Mario, tu es encore là, toi. Très bien, tu l'auras voulu cette fois. Je vais faire frire ta vieille moustache. Malgré tes étoiles de puissance, tu n'arriveras jamais à sauver Peach et ses amis. Elle est en garde. Et ben, c'est vrai qu'il est plutôt dur cette fois-ci. On le lâche comment déjà? Ah oui, avec Y. Ah! Ça. Ça, par contre, c'est un peu de la triche. C'est vraiment de la triche, lui. Je lui attrape la queue et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met des boules de feu comme ça. Il est pas censé pouvoir attaquer. Hein. C'est vraiment un gros arnaqueur. En plus, il est moche. Et je suis sûre, il pue de la gueule. Gros tricheur, là. Avec ta calvasse. Merde. Ah, il va revenir. En plus, je crois qu'il va faire bouger le plateau. Ah, oh là là, je pensais pas que ça faisait ça. Ah non! Bah voilà, vous voyez, il me brûle les fesses alors qu'il a pas le droit de me brûler les fesses normalement. Moi je l'attrape, c'est pas censé pour pouvoir faire ça. Oh là là, je suis nulle en plus. Bah oui, mais il triche. C'est facile de gagner en trichant. Ah, en plus, je fais de la merde. Ah non! À chaque fois, je l'envoie entre les deux. Ah non, mais... Normalement, le balancer dans le vide, il devrait mourir. Je tiens quand même à le préciser. Je sais pas jouer. Je n'aime pas ce boss, il pue du cul.
Mais bon, papy, tu te répètes, hein. Oh non, c'est pas vrai! Ça y est, je l'ai explosé une fois. Plus qu'à faire ça encore deux fois. Et vu comment c'est compliqué, ben on n'est pas sorti de l'auberge. C'est pas sûr qu'on ait gagné. Bon, on l'a touché deux fois, mais moi, je suis bien morte aussi. Hein. Oh oh. Évidemment, il n'y a plus grand chose par ici. Bon, évidemment. Non! Là, Bowser est mort. Ah. Ok. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de cinématique ni rien, mais il fallait aller plus près. Non, Mario, méchant petit, cette fois-ci, je suis cuit. Mes pouvoirs maléfiques disparaissent, toutes mes troupes sont anéanties, la paix, l'amour et l'amitié sont de retour. C'est insupportable, mais je reviendrai un jour, je reviendrai. Ce jour-là, bye bye, Mario, bois. Ok. Super. Oh, c'est une étoile! Bah oui, c'est vrai. Avant, il donnait des clés, mais pourquoi est-ce qu'il donnerait une clé, là? Bon, quoique, il y a quand même Peach à aller chercher quelque part. Ah, j'ai une casquette... En vrai, j'ai une casquette télé.
Ah, on s'en va. Ok. Avec toute la fluidité dans ce jeu. Ah, on stocke. On s'en va. Ok. Je sais pas si on verra Peach maintenant du coup. Ah, mais si. Waouh, wow. C'est hyper pas fluide. Je me rappelais pas que c'était comme ça. Oh là 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 là. C'est une catastrophe, cette fluidité. Ah, Peach arrive. Suis morte. Waouh. Allez, on va la voir. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous fait une cinématique. Bah, j'ai pas le temps de lire. Ok, merci Mario, tu mérites une récompense. Un bisou sur son gros nez. Chouette. Et on va préparer un petit gâteau. Super. On est très heureux. Purée, elle est assez lente quand même. Ah, mais Mario aussi, mine de rien. Ok. Et voilà. Je pense que c'est tout. Je crois qu'on va avoir une. Oui, voilà, un petit générique de fin. Et évidemment, pour avoir les dernières étoiles, il faut que vous récoltiez 100 pièces dans chaque niveau, donc dans les 15 niveaux du jeu. Et puis voilà, donc bon courage si vous voulez les 120 étoiles. Et ça vous débloquera quelque chose de pas très utile puisque vous aurez fini le jeu à 100%. Ça débloquera quelque chose quand même. Donc voilà, merci d'avoir suivi ce let's play. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Salut!
so much for playing my game.